On va renvoyer des animaux avec quelqu'un. Qu'est-ce que j'ai comme bouffe? Ok, l'autre il est bon. Comment terminer, Jean? Tu vas Jean, où en es-tu dans? Mais on va continuer à en faire autant y aller, hein. On va envoyer quelqu'un, Vérimède est prête. Rimen forme une caravane. Tu vas prendre avec toi des animaux. Ça, c'est quoi ça? Tu me dis pas, hein? 32, 33. On va en prendre ici. Ah ben, je vois 70 kilos, donc c'est bon. On va se prendre 3 dromadaires avec nous pour prendre un maximum de 4 dromadaires avec nous. On se prend 2 plats simples, 12 plats raffinés et les rations de survie. Et pourquoi pas le pemmican qui traîne, ça sera parfait. Mais nous allons prendre avec nous malheureusement je n'en ai que 3, mais bon, ça, ah, si j'en ai encore un là, 4. Je trouve que quand même que le sac de couchage, le sac de couchage, pour ce qui coûte de cuir, il est hyper intéressant. Pour la vente. Regardez ça. Sac de couchage en tissu bon, 78. Il se vend vraiment bien. Je crois qu'on va s'en refaire quelques-uns. Je vais me prendre avec moi. Donc tout ça non, les trucs qui sont morts non plus. Putain, j'ai encore une Guyenne là qui est encore du 08. Ah ouais, il faut que je me prenne avec moi un petit peu de... L'autre a une chemise et j'ai besoin d'un chapeau et d'un manteau. Voilà, j'ai des manteaux. On va prendre celui-ci en tissu, il est bien déjà. Hein. Je pense qu'il va nous donner suffisamment. Ok, manteau en tissu. Et un chapeau de cow-boy. Bon à 51. Voilà, celui-ci en tissu, il sera parfait aussi. Parfait. Je choisis un trajet. J'ai pris Rimen, hein, je crois. Ouais, j'ai pris Rimen. Et on vient ici. Et on l'envoie. Et je vais le dire que Rimen devient du voyage. Bien.
Je crois que j'ai fini le... J'ai bientôt fini ici et les animaux viennent dans base aussi pour l'instant. Je veux que Libellule me finisse ça. Et on va en mettre... Ça, c'est des animaux, ils viennent ici. Je veux que tous mes personnages, maintenant, se mettent en non restreint. Et on va... Allez, petite libellule, finis-moi ça, ma chérie. Tu nous ralentis beaucoup. Voilà, parfait. Ok, maintenant on va foutre le camp d'ici. Hein? Bien qu'il y ait beaucoup de métal encore à prendre, mais on s'en fout un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de m'en aller. Alors, je veux que dans mes zones, je ne veux plus ça dans ma zone. Je ne veux plus ça. Comme ça, les animaux vont y aller. Hein? Bud, elle est partie décharger un dromadaire, ce qui n'est absolument pas intelligent. Viens plutôt faire comme ceci. Parfait. Sky, tu vas aussi décharger des montes barrières de béton. Ouais, on va te stopper ça, ma chérie. Et on va te demander de prendre du métal avec toi. Voilà. Le temps que les animaux reviennent en position. Voilà. Merci les petits animaux. Revenez me dire bonjour. Grizzly. Viens faire la même chose. Rimen. T'as le droit ou pas toi? Ah, tu veux pas. Alright, Sky, il n'y a plus que toi. Donc Sky, tu viens me chercher ça. Parfait, Grizzly. Ok. Donc, nous souhaitons. Sky va nourrir l'autre. Mes animaux sont occupés de bouffer tout. Ce qui m'intéresse pas des tonnes. Et Grizzly transporte 22 aciers. On va plutôt en transporter un petit peu. Parce que je suis pas dans la zone. Normalement, tu devrais tout me prendre, mon petit. Non, bon, tant pis. Moi, ça sera pour les autres. Voilà, on est parti dans le monde. Donc, j'ai pris avec moi.
formé la caravane. Avec Craig, hebdomadaire, article. Je veux les plats raffinés. Là, je l'ai d'insectes, bien sûr, les composants. Ça, je suis pas sûr que je vais prendre tout de suite. On va vérifier après. Par contre, tout ce qui est ici, on va essayer de prendre tout. Ouais, ça marche. C'est juste. Donc, on va déjà virer un petit peu l'acier pour le moment. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ça. Ça, c'est bien lourd, ça, 3-4 pour avoir peut-être une quinzaine de 12 ou 15. Alors, la chemise, ici, elle est morte. Normal, pantalon renforcé, on va le prendre. La veste, l'armure et l'or. Et on peut encore prendre un petit peu d'acier. Mais, ouais, on va peut-être pas prendre tout ça. Bah si, on va prendre tout ça. Choisir un trajet. Ici. Et on va accepter, confirmer. Ok, je pense que ça devrait aller. Vous oubliez la moitié, les petits gars, là. Pourquoi vous n'avez pas pris la bouffe avec vous? Pourquoi vous n'avez pas pris la bouffe avec vous? On va enlever Sky. On va l'enlever de la caravane. Parce que là, il me manque tout, quoi. C'est... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me prends pas tout ce que tu dois me prendre? Je pense qu'aille. Il n'y avait pas assez de place sans doute. Tu te prends ça. 33 sur 35. Ouais, on va t'enlever ça. Ouais, je crois que c'est bon.
choisira un trajet. Je piche pas pourquoi il n'a pas... Bon, t'as pris tout cette fois-ci? Je crois, hein? On a un problème avec Craig. Craig qui a une insolation. Et les autres t'attendent. Ça va. Risque de démence. Grisly. Allez, petit gars, tombez pas en démence. Grisly, t'as faim, je suppose. Quel est ton problème, Grisly? T'es fatigué, t'as faim? Bah, très fatigué. Pas de confort. Bon, il faut que t'attendes quand même que Craig arrive. Pendant ce temps-là, Sky, elle fonce. Annès 3 a fait une fausse couche à cause de la famine. Il n'y a plus à manger ici. Mais ça va venir. Prépare 4 rations de survie, d'accord. Ah, ils ont faim. La caravane, elle est en repos, ben, elle est en repos, c'est parfait pour moi. Elle n'a qu'à y rester le temps que celle-ci foute le camp et puis on les réunit ensemble. Allez, petit gars, allez, Craig. Allez, mon petit Craig, vas-y, fonce, mon petit Craig. Parfait. Je suis stoppé. On va aller dans le monde et on va réunir nos deux, on va les fusionner. Et tu me dis que tu n'as pas assez. Ok, objet. Déjà, on va prendre l'équipement plutôt. Équipement, je souhaiterais. Ici, un manteau en tissu qu'on va donner à Craig. Voilà. Un chapeau de cow-boy. À Craig. Là, il va se sentir beaucoup mieux, le garçon. Hein? Ah, parce que Craig, là... Installation mineure, ok. Ça va aller mieux. Dan. Ensuite, 300, 575, 560. Il faut que j'enlève 15 kilos. 15 kilos. Ça, c'est 7 kilos.
Allez, on va virer le fusil à pompe et on va virer 5 kg de métal sans doute, non? Ouais, t'as pas besoin de ça. Et un petit kilo d'acier. Alors, de l'acier, ça doit faire, à mon avis, 4, ça devrait être bon, non? Allez, on est parti. Allez, c'est bon. Et est-ce que tout le monde est bien? Bon, ils ont à bouffer. On n'est plus qu'en démence mineure. Ok, on est tranquille. Ici, je suppose qu'on est occupé de nous faire à bouffer. Ah, j'ai plus assez de pieux, moi. Ah oui, ça c'est pour libellule et Sky, mais elles ne sont pas là. Le problème, je me disais que j'allais mettre ces gens-là dans le caisson, mais je peux pas. Il faut qu'ils soient blessés pour aller dans le caisson. Donc si je... Je pense qu'on pourrait peut-être en... On pourrait lui enlever un poumon. Je crois qu'on va enlever un poumon. Mais qui est-ce qui... Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui peut m'enlever un poumon? Déjà, on va regarder ça. Vache. Opération chirurgicale, 96%. On va patienter un petit peu. Mais je crois qu'en lui enlevant un poumon, je vais pouvoir le mettre dans le caisson, je pense. J'espère. On verra bien. Alors, est-ce que Maker a fini son... Ah! Donc on voit ici, maintenant on a deux armures. J'ai une armure de... Oh là là! Une normale! Tu m'as fait une normale, mon petit Maker. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien du tout. Eh ben donc tu vas devoir la vendre. Ça c'est con ça. Bon, il y en a un qui fait de la bouffe là. On n'a pas trop l'air, hein. On dirait que
des plats simples. Oh, qu'ils sont contents là, hein? Ah ouais, hein? Mais du bien, hein? Alors, qui est-ce qui est parti là-bas? Prince. Tu y restes, hein, mon gars, maintenant que tu es parti là-bas. Ah, il faut que je lui enlève le. Faut que j'enlève ça. Enlever ça après. Bon, lui enlever ça après, parce que ça, si vous regardez le matos, le minigun, vitesse de déplacement moins 0,25, tu vois. Tu veux aller jouer du clavecin? Le nom de psychique s'est arrêté, c'est dommage. Et toi, où vas-tu? Pas lourde. Non, non, ma chérie, tu ne dois pas me faire ça. Ah, j'ai pas encore ceci. Je n'ai pas encore ceci, pas lourde. Transporte-moi un peu le faucheur. Et ça, c'est parce que j'ai pas autorisé mes animaux. Comme vous voyez, ils sont toujours en herbivore intramuros. Et je dois les mettre en herbivore. Voilà, voilà. Et toi aussi. Sinon, on va pas y arriver. Ça fait longtemps que j'aurais dû faire ça. Ok, Jovin, ça finit. Et il ramène son truc avec lui. Eh bien, c'est bien, mon ami. Anarchiste, toi, mon ami, tu es parti à la machine à 11h du matin, alors que normalement, tu dois aller dormir. Donc, tu vas plutôt transporter le faucheur. Puisque tu vas aller dormir, c'est pas la peine d'aller là-bas. Et puis, je te connais, tu vas remonter tout de suite. Notre caravane est arrivée. Ça me fait plaisir. Notre caravane est arrivée avec les dromadaires qui ont quoi comme problème? Où sont-ils? Ils n'avaient plus de place réservée. Ça, c'est un dromadaire. Ok. Le dromadaire, c'est bon. Le planning. Anarchiste, tous ces gens-là repassent en normal, sauf Libellule, qui vient en constructeur, et Sky, qui est en constructeur aussi. Et nous reprenons l'entièreté, nous copions tout. Et voilà, nous repassons tout le monde en pâte. Nous disons que habit forcé. Et nous avons un prisonnier avec nous. Ce qui implique que nous devons lui mettre un lit.
parce que sinon on va avoir un petit pépin. On va demander aux chauves de venir. Tu fais ça, tu suis avec celui-ci. Et tu vas continuer en bas d'ailleurs. Alors il n'y a aucun risque de se faire prendre ici. Aucun risque quand vous les positionnez. On voit que par contre si vous les désinstallez, il y a un risque. Dans ce cas-là, quand vous les désinstallez, vous mettez simplement une armure, une ceinture d'énergie. Bon, on a mis ça. Maintenant, les animaux, on va enlever de leur zone les herbivores. Voilà, je t'enlève tout ça. Et je t'enlève également les carnivores. Comme ça, on est tranquille. Donc, on voit également que dans tout, si on regarde tout, vous voyez, personne ne peut y aller. On ne peut pas aller là. Et on ne peut pas aller là non plus en tant que constructeur, bien entendu. Et donc, comme je les ai tous autorisés, ceux que je voulais mettre, et que j'ai directement mis quelqu'un. Donc on voit ici qu'il fait une connerie, c'est qu'il part par le dessus, d'abord. Donc on va le laisser faire. Et on va interdire maintenant ici, pour le moment. Voilà, j'interdis. Comme ça, il va être obligé de redescendre par ici, et puis de toujours venir par ici. Voilà, vous voyez, tac. Et maintenant, comme il ne peut plus aller par le haut, il est obligé de venir par le bas, et il va donc les faire les uns après les autres. Attention, c'est assez difficile pour lui, normalement, parce que... Donc là, il y a un problème de bouffe déjà, qui va bientôt arriver. En plus, il fait noir, c'est pas joli. Donc là, ça va être un petit peu juste. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller au bout avec lui. Aller plus loin qu'on peut. On a fait ça. Que nous reste-t-il d'intelligent? On va faire du tapis. Bon, chauve, tu vas, à mon avis, bientôt arrêter. Ça m'a fait maintenant, le voyage est de plus en plus court. Bah, on va peut-être y arriver. On va y arriver. 17. Maintenant, il passe en méditation, là. Ouais, il va y arriver. On va laisser faire. Et le petit dernier, stop. Maintenant, je lui dis... Je ne veux plus autoriser, bien entendu, mais je veux autoriser par ici, mais pas pour l'instant. On le fera après. Il fait combien là-dedans? Il fait 1 de trop. Et ici, il fait 74 et j'ai 59. Je pense que si je... On va essayer ça. On va augmenter
la taille, d'ailleurs ici avec, et ça je ne veux plus voir, il n'y a plus de zone, hein. C'est ça que je veux dire, je veux plus de zone, hein. Voilà, supprimer, et ça, qu'est-ce que c'est que ça ici? Tiens, tiens. Je mets un sol là. Et on va et continuer. On va se mettre une copie ici. Pour doubler le mur. Et on va également augmenter la taille. Toujours laisser quand même un truc qui traîne. On va donc augmenter la taille pour essayer de réduire la température. Comme ça, ça serait à 74, mais qu'on descende au moins à 5, un peu plus bas quoi. Un petit peu plus bas. On va voir si ça marche. Donc 74, 75 dehors, on est à 60. 75 dehors, on est à 60. Même à 61. Ah oui, comme je disais, j'ai besoin que mon chauve. Que mon petit chauve. Soit mon petit chauffe, soit je pourrais prendre Imen aussi, qui n'a pas l'air de faire beaucoup de trucs. Ouais, on va prendre Imen. On va autoriser ici. Et on va autoriser tout ça. Et on va dire à Imen, malheureusement elle ne va pas être très contente, mais c'est pas grave, hein. Et on va fermer la porte, laisser la porte ouverte ici. Et ici, on voit qu'elle est ouverte. Ok, voilà. Imen, t'as qu'à y aller. Du dressage. Tu veux dresser, ma chère Sky. Ça va te servir à quoi, Sky, de dresser? Est-ce que c'est intéressant? Animaux, 460, ouais. Bof, hein. Donc on en a 3, 6, 9 et 18, 20, 27 seulement, 27 pièges, et je pense que ça devrait être bon. On a vu qu'on a quand même pu buter une dizaine de faucheurs, à peu près je pense. Ah, et plus qu'un. Et puis on va en recommencer quelques-uns, bien sûr. All right. J'ai juste... Je voudrais juste maintenir ça fermé. Donc, je te mobilise. Voilà. Et je te libère. Par ici d'abord. Maintenant, tu peux rentrer. Anarchiste, il est 21h. À 21h, on ne... C'est un petit peu embêtant. Oh, écoute, je ne m'embête pas avec toi. Donc, on voit de nouveau qu'on a un peu de mal avec la bouffe. Ici, ces deux trucs-ci, on va en faire. Et également du riz. Malheureusement, ça fait chuter
notre production. Ben bon, on va faire avec, hein. 3h du matin, regardez, vous voyez, ça je n'aime pas, hein. Twins, tu viens là-bas et puis tu décides seulement à manger. Et là, il y a vraiment un gros pépin. D'ailleurs, tu vas me changer d'arme. Est-ce que j'ai encore envie de faire des bidules ici? Est-ce que ça va me servir à quelque chose? Je ne pense pas. Donc on va faire les bases de construction de vaisseau. Donc comme je disais, nous avons Twins qui va changer de... On a trouvé du jade, ça c'est bien. Alors, je veux que tu me prennes... Qu'est-ce que c'est ? Ça a du bon ici. Prends-moi ceci. Alors, j'ai aussi besoin de travailler ceci. Ouvrir. Et on va encore faire quelques... On va les faire en cuir ici. 1, 2. Est-ce que j'ai assez? Encore un. Allez, faites-moi un petit peu, finissez-moi ça, s'il vous plaît. On va opérer Grizzly. On va lui mettre un bras. Je ne sais plus lequel. Le bras droit. Épaule droite. Qu'est-ce que je pourrais te mettre d'autre, ma chère Grizzly? Une glande durcissante, certainement pas. Et je n'ai absolument rien d'autre à te donner. On va te le faire. Pourquoi? Parce que maintenant nous sommes au mois de juillet, août, et le juillet, en juillet, il fait très bon. Il n'y a pas normalement, vous n'avez plus rien, plus jamais de pépins. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'événements, de raids, etc. Généralement. Voilà, donc, opération médicale, il s'agit donc de Halo qui va nous faire ça. Bien. Halo. Et Halo, c'est ta santé, toi tu as tout ce qu'il faut. Ok. Donc, Halo, où es-tu? Et Grizzly. Donc, Grizzly. Tu vas avoir un médicament et Halo, tu vas t'occuper de Grizzly, opérer. Voilà. Alors, mon doublement de mur et l'approfondissement ici de ceci. Est-ce que ça m'a changé quelque chose au niveau de la température? Il fait 71, bon, là on est à 57, je ne peux pas vraiment le dire, il aurait fallu voir à 75, 76. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la base. Ça sera un petit peu plus joli. En tout cas, ça pousse de nouveau, pas beaucoup, mais au moins ça pousse. Hein? À 70 degrés, on est à 58.
Ben, je pense pas que ça ait changé grand-chose. Hein. Au niveau où on en est, c'est un petit peu logique aussi. Bien, anarchiste, il est 20h. Il va pas vite lui, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on lui fasse un petit peu augmenter son minage. Hein. Il était à zéro à peu près, donc maintenant ça vient. Ok, Grizzly n'est plus incapable de marcher. Bien, il suffisait de dire qu'on avait envie de quelque chose. Ok, on va voir combien de temps elle va durer cette fois-ci. Et on va savoir comme ça également combien de temps. On peut tenir avant que ça ne saute, avant qu'on soit obligé de couper. On va essayer d'aller assez vite ici, bien entendu. Donc là, on tient. Trois heures. Alors 85 le riz. On va un peu regarder également la vie. 85. Et là par contre, ça n'a que 60 celui-ci, comme vous voulez. Vous pouvez le voir ici. Donc on va vite. En plus, on voit qu'on est à 78. Donc je veux que récolter ces trucs-ci tout de suite. Anarchiste, tu peux pas récolter, je crois. Mais il n'y aurait que toi dans le coin pour le faire. Lisa. Pas d'agriculture. Anarchiste, pas d'agriculture. Rimen. 8,22. Bien vite faire ça. Ensuite, on va continuer à inspecter ici, 52. Donc on voit qu'il y a moins de vie, de points de vie, donc il faut aller plus vite que les autres. On est vraiment juste là, hein, 15, 14. Voilà, il va terminer. Rimen, c'est bon pour toi. Ok, 36, on va récolter tout ce qu'on peut également ici. Je ne veux pas me faire avoir, on est un petit peu trop juste. Vous voyez qu'on n'a plus que 34 ici déjà. Et donc on ne peut pas se le permettre. Et on va faire la même chose ici. On va récolter tout ce qu'on peut. Rimen, d'ailleurs, tu vas faire ça tout de suite. Decker était capable de risque d'échec 93. On va d'ailleurs vérifier un petit peu nos risques d'échec maintenant, voir un petit peu ce que ça donne. Donc on va passer dans nos colonistes et nous voulons voir mon Worktab. Risque d'échec.
Est-ce que j'ai des nouvelles personnes qui peuvent travailler? J'ai Vache, Rimen, Grizzly, Dan et Bud. Donc j'en ai en tout 2, 4, 5. Et nous regardons nos forestiers. J'en ai 1, 2, 3. Bud, tu peux venir. Et Rimen, voilà. Donc maintenant j'en ai 5. Et donc ces 5-là peuvent également, à partir de maintenant, ils peuvent aussi me faire du fermier récolté. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà une bonne chose de fait. Toi, t'es pas encore prêt, Tommy, mais ça va venir. Et le suivant, Tommy et Palourde, ne peuvent toujours pas le faire. Ok. Bon, ma petit gars, ça devrait se faire, je pense. Heures. Éruption solaire touche à sa fin. Parfait. Donc on va annuler mes ordres. Ici par contre, on ne peut plus rien y faire. Bon, elle a duré 7 heures, je pense, à peu près. Donc ça va. 7 heures, vous tenez, mais au-delà. On a fini nos sculptures. Monsieur le Chauve. Et des fois, je me demande pourquoi. Ces trucs-là, que je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'assombrissent comme ça? Alors, tu es en artiste, hein, 1983, c'est pas suffisant. Allez, on continue. Je vais placer Palourde ici. Voilà, Palourde est venu dans ce coin-ci. On a terminé cette chambre-ci. On va passer à la chambre suivante. Comment est cette chambre? Il fait maintenant 35 degrés. Oui, là j'ai un pépin avec ça. Il faut que je travaille. Sinon, il va pas être bien notre ami. Donc on voit qu'on peut mettre partout. Des ventilations. Où est-ce qu'on va mettre cette ventilation? J'aime pas trop en mettre dans les couloirs, mais il faudra quand même en mettre un petit peu pour ici, dans tous les cas.
Alors, je pense qu'on va avoir trois cases. Ah ben voilà, ça va. Ça devrait se faire. Tu vas avoir un peu chaud, ma chérie. Je sais, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, il se passe rien hein, quand on est dans le mois de juillet, août. Faut pas rêver, quoi. Alors, on va bien entendu maintenant commencer à enlever tous nos animaux de là-bas. Donc mes zones, retirer une zone herbivore, ben c'est ici c'est fini hein, mes petits enfants. Vous avez terminé. Vous n'avez plus besoin d'être dans ce coin-ci. Un grossiste. Ça c'est génial, ça c'est génial, ça c'est génial. Jean, il n'y a personne d'autre qui a une petite... toi t'es quoi toi? T'es dresseur et toi tu es mouvement. C'est le moment. Bon. Quelques secondes de venir ici.